Salut tout le monde! Bienvenue pour ce nouveau let's play sur Alice Retour au Pays de la Folie. Et un jeu qu'on m'avait recommandé, qu'une amie m'a recommandé de faire, et donc j'ai décidé d'accepter. Et donc, bah, je vais essayer de faire un let's play de ce jeu qui m'intéressait quand même parce que c'est l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais en plus tordu, en plus bizarre, et j'aime bien ce genre d'univers, donc j'avais envie d'essayer. Donc je vais commencer tout de suite, je vous laisse l'intro quand même pour profiter, puis j'arrive juste après pour démarrer le jeu. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Oui, parfait. Détends-toi. Encore. Tu flottes. Tout s'efface. Tout part. Je suis en enfer. Oublie-les. Efface ce souvenir. Il est encombrant. Laisse-le. Va vers tes merveilles. Impossible. Prise au piège. Dépassée. Sergent, cette fille est blessée. Appelez un docteur. Est-ce qu'elle va survivre? Oublie cette illusion. Oublie-la. Retourne aux merveilles. Je ne veux pas, docteur. Mes merveilles sont mortes. Éparpillées. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Bien, Alice, où es-tu? Je navigue avec un ami. Je suis différente. J'ai changé. C'est très bien. Ton premier pas sur le chemin de l'oubli. Que se passe-t-il? Êtes-vous fou? Insolente. Lapin? C'est curieux. Que fait-il ici? Est-ce que vous m'entendez? C'est chaud. Bien, Alice. Tout va mieux, n'est-ce pas? J'ai un marteau pilon dans la tête et dans la poitrine. C'est normal, Alice. L'oubli n'est pas gratuit. Les souvenirs me rendent malade. Je voudrais... te rappeler autre chose. Je veux oublier. J'en ai assez d'être seule, prisonnière de mon maudit passé. Tu seras libre, Alice. Les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. Vous l'avez dit tant de fois et... et je te le répète, il faut payer pour pouvoir oublier... Bien. Avant notre séance, va donc chercher ses cachets chez l'apothicaire. Très bien, docteur. À mon tour d'oublier, Alice. Bien, Charlie. Ton père a été pendu pour avoir tué ta pauvre mère qui te battait. Il faut oublier tout ça. Veux-tu? Plus de passé, Charlie. Oublie ce taudis infâme, oublie ta famille. Voilà. Elle n'a jamais existé. Une intro fort sympathique. Qui donne envie de détends-toi. Faire des câlins, des lapinous et ce genre de choses. Où est la porte? Donc bon là on va dire c'est le prologue, il va pas se passer grand chose. J'ai déjà fait cette partie là en fait, j'avais
commencé à tourner des vidéos, et en fait je me suis rendu compte que on m'entendait pas du tout sur les vidéos, donc j'étais un peu déçu, surtout que j'avais déjà joué pendant à peu près une heure, donc bon bah à refaire, tant pis, c'est pas grave. Je ne pleure pas sans raison. Et donc en fait donc ce jeu, donc Alice Retour au Pays de la Folie, c'est la suite d'un jeu qui s'appelle American McGee's Alice. Et je voulais, à la base, l'idée de base c'était que je fasse ce jeu là avant de faire donc je voulais faire le premier jeu avant de faire celui-ci. Et en faisant quelques recherches sur internet, bah, je me suis rendu compte en fait que le jeu coûtait assez cher. On le trouve qu'en boîte, il n'est pas sur Steam, contrairement à celui-ci que j'ai acheté sur Steam il y a quelques temps. Le premier, on le trouve en format boîte, et je l'ai, à l'époque où j'ai regardé en tout cas, pas en dessous de 20€. Donc ce qui est quand même assez cher, je pense que le jeu est assez rare. Et donc forcément, coûte assez cher parce que voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon, allez, on va dire c'est pas trop grave. On connaît à peu près l'univers pour s'en sortir. Et un deuxième point, là, un point par contre qui est pas trop cool pour moi, c'est que là je joue au clavier, donc clavier souris. Donc ça se voit pas, hein. Ça se voit pas trop pour l'instant, ça se verra peut-être plus quand tu auras des phases de combat. Bon, les gamins me détestent et ça c'est super chouette. Pour l'instant, voilà, je vais jouer au clavier souris. J'ai une manette qui arrive bientôt. Normalement, je devrais pouvoir jouer à la manette bientôt. Voilà. Donc là, je suis en train de me balader dans... Alors, je pense que c'est Londres. Je sais pas si Alice vit à Londres. Je connais pas vraiment l'histoire. Je connais vite fait l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Par rapport au Disney. Que j'ai... même pas vu, je crois, mais je connais l'histoire. Par contre, dans l'ensemble, où habite Alice, avant, tout ça, je me souviens plus trop. J'ai même vu, pourtant j'ai vu le film aussi, le film avec Johnny Depp, en Chapelier Fou, mais je me souviens plus, pour dire. Je vais aller par là. Je crois que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Ouais, voilà. Faut que je suive le chat. Donc, pour l'instant, je suis le chat. Il faut croire que j'aime suivre les boules de poils dans leur tanière. Ah. Peut-être bizarre. Petit ralentissement, ça. Qu'est-ce que c'est ? Petite. Comment dire ? Petite mise en abîme par rapport au lapin dans l'histoire. Normalement. Avec le. Oui, bah c'est ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Elle est complètement paumée, notre Alice. Elle s'est complètement paumée et... elle voit des trucs bizarres. Je sais pas ce que c'est, cette espèce de... chose. Un peu bizarre. Bonsoir. Par mes jardières. Alice Liddell. Toujours dans la misère. Elle fait peur, la vieille. Elle fait Bonjour. Peur. Les misérables se croisent. Allez, boum. Ça, c'est fait. Vous semblez pas, voilà. Ma chère. Vous vous sentez bien? Pas vraiment. Venez chez moi, vous verrez mes oiseaux. Magnifiques, comme vous. Je ne crois pas. Ouais. Notre dernière visite m'a coûté plusieurs livres. Je pourrais pourtant bien me rappeler de votre lapin. Donc, elle est au courant. Toujours folle. C'est pas étonnant. Elle a vu les siens griller. Voilà, elle est au courant, la vieille, que le pays des merveilles existe, a priori. C'est un temps perdu pour tout le monde. Le docteur Bumby ne fera guère mieux. Toujours les mêmes questions. L'incendie, ses souvenirs... Alors, je pense que l'incendie... doit se passer dans le premier jeu. Parce que... J'en ai jamais entendu parler d'un incendie où sa famille entière meurt. Donc bon,
Au moins, elle aime mes pigeons. Elle m'a déjà lâché une pièce ou deux. Mais ce que je sais vaut bien plus. C'est un secret, n'est-ce pas? Elle a dit, ils sont morts par ma faute. J'ai rien pu faire. Le silence est d'or, mais le mien vaut moins. Je sais me taire, vraiment. Pas comme sa nourrice, cette putain. Ou leur ami juriste Radcliffe, qui lui a pris son stupide lapin. Plus un sou. Je l'ai prévenue que je la dénoncerais à la police si elle ne se montrait pas plus généreuse avec moi. Elle ne cesse de gémir et se plaindre. Des jours qu'elle se souvient plus de son nom, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, je suis un peu paumé avec les personnages, je dois bien avouer. Parce qu'elle paraît la vieille dame paraît sympathique quand on la voit, et avec la scène là, on a l'impression en fait que c'est une vieille mégère qui essaye d'abuser d'Alice en profitant en fait du fait. En profitant qu'elle connaisse son secret, elle essaie de lui soutirer du pognon alors que déjà elle en a pas. Donc c'est. Voilà, je sais pas trop. En tout cas là, on a une jolie vue de la ville. Enfin, joli. Vite dit, hein, parce que. Pas forcément le truc le plus chouette au monde comme vue. Mais bon. Infirmière, voulez-vous me blesser en me renvoyant à l'hôpital? Mais en plus, elle est infirmière. Pas. Je vous troquerai bien contre un verre, vous savez. J'ai si soif. Que je bois dans la famille. D'accord. Bon. Magnifique. Et bah ok. Allons dans le pays des merveilles. Pollution. Corruption. Voilà, ça c'est fait. Transformons-nous. Et atteignons le pays des merveilles. Mais ouais, c'est vraiment le début. Alors je sais pas si faire le premier jeu on comprend mieux ou pas, mais vraiment pour l'instant je suis paumé. Je suis complètement paumé. Parce que Alice se retrouve... Enfin, on est à nouveau au pays des merveilles. Je sais pas vraiment pourquoi. Donc c'est assez... assez bizarre. Quel épuisant voyage! J'ai pu se méprise, ou ce qu'elle est devenue. Au moins, cet endroit me rappelle quelque chose. Il était grand temps, Lidl. Le chat. Le chat. Ne me cherche pas trop. Je suis un peu à bout. Parfait. Quand tu n'es pas au bout, tu prends beaucoup trop de place. Ça ne m'aide pas. Tu fais vraiment peur, le chat. Et tu sais que je peux. Je sais me faire peur. Toute seule, ne t'en fais pas. J'espérais échapper à tout cela. N'espère pas trop. Cet endroit a quelque peu changé, Alice. Raide comme sa justice. Très dangereux. Reste bien sur tes gardes. Il fait très très peur, le chat, mais en même temps, il est très classe. Ça, c'est indéniable. Il a vraiment un look qui est super bien fait. Et la forêt, elle est magnifique. Alice aussi, hein, la tenue est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc bon, je vais avancer un peu. Hop, raviver les souvenirs. Tu es française, Alice, c'est sûr, une vraie grenouille. Ah, elle a une tête de française. Hein. bon, pour l'instant, il va pas se passer grand, grand. Bah alors, je sais pas sauter. Voilà, j'étais trop près de la plateforme. Là, je vais aller un peu vite parce que c'est un peu le prologue pour apprendre les touches. Et j'ai un peu appris à les faire tout ça. Donc là, hop, voilà. Oh purée. Par contre, le saut en tournoyant, ça va assez loin. Là, voilà, je vais suivre Chucky. Hop. Si tu sautes encore de la table, tu vas me faire mourir, Alice. Tu es beaucoup trop Elle l'a fait, mais pas comme ça. Chérie. Bon. Je vais continuer. Hop. Tac.
Purée, je suis pas passé loin là. Voilà. La manite tue-mouche, Alice, est un champignon dangereux. Là, on va pas tarder à y aller. Mais venimeux. Ouais, bah t'as vu la gueule des champis ici, hein. Franchement, la manite, c'est limite, j'en ai rien à faire. Ah! Ah! Je me suis coincé. Voilà. Alors. Pour avancer. Bois-moi. La potion pour rapetissir. J'ai déjà pris ce chemin par le trou de la série. Même si l'on n'a pas de costume de bain, le plongeon me semble inévitable. Il a un sourire affolant. Oh non, je réduis dans la potion. Vais-je disparaître? Bientôt, mais plus terre à terre, tu pourras voir des choses qui autrement serait invisible à la grande toi-même. Ah, oh, oui, la grande toi-même. L'arbre voit la forêt, mais pas ses propres branches. Finalement, la taille n'est qu'une question de point de vue. Là, j'avoue que les 2-3 lignes là, je comprends pas trop, parce que on dirait qu'elle découvre la potion, mais à moitié, elle est pas si surprise que ça. Et puis, normalement, elle l'a déjà fait. Donc je sais pas. Ça, j'avoue que j'ai pas trop bien compris. Par contre, hop là, capacité de rétrécir, ça c'est super classe. Oh, comme elle a rétréci, si petite, elle n'est plus rien qu'un rat dans son trou. Ça, ça fait super plaisir, toujours. Hop, voilà, je vais passer par des tout petits trous. Avec le hoquet, hein. C'est important d'avoir le hoquet. Hop, alors, là je vais faire quelque chose que j'ai découvert un peu après, c'est que, en se mettant petit, voilà... On récupère des dents. Ça, j'ai découvert après, donc du coup, j'en avais loupé quelques-unes, des fleurs comme ça. Maintenant, je vais pouvoir les faire. Commencer à récupérer des dents. Aussi, c'est un escargot, ça. Bah, oui. Oh merde, il est vivant, ouais. Oh, j'avais pas vu. Oh, il fait peur. On dirait qu'il a le regard pervers. Bon. Oula. Faut que j'arrive à gérer la caméra avec la souris. Voilà. C'est... je trouve ça mignon quand elle a le hoquet, en fait. Ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais je trouve ça mignon. Ah. Le couteau. On dirait qu'elle m'indique ça. Puis elle est par là. Ah, elle est par là. Bon, bah on va aller par là. Non. J'ai vu une flèche. Oh oui, il y a un souvenir. Je ne me suis jamais autant amusée qu'au toboggan à Hyde Park. Papa te montrera, Alice. Ah, si seulement... Et hop. Un méga jump. Et à moi le toboggan. Alors, je vais essayer de récupérer toutes les dents. Hop. Voilà, la caméra, ça fait rien. Voilà. Alors les dents, pour l'instant, c'est pas expliqué à quoi ça sert. Et je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Je sais pas s'il y a plusieurs utilités. En tout cas, j'en ai découvert une. Oh zut. C'est que... ça sert pour améliorer les armes. Donc les armes, je les aurai plus tard. Enfin non, pas trop longtemps non plus, mais voilà, ça sert à récupérer les armes. Bah d'ailleurs, en parlant d'armes, voilà la première. Le glaive vorpalin perd ses tranches, toujours prêt à terrasser la bête. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Vraiment ? C'est bien dommage. C'est pourtant ce qu'on pourrait attendre de toi. Il te balance toujours le smile avant de partir. Voilà. Donc j'ai récupéré le glaive vorpalin. Qui est la première arme du jeu. Je vais récupérer le souvenir. Tu dois choisir entre fuir et te battre.
Mais la fuite ne fait que reporter le combat à demain. Choisis bien tes batailles, Alice. Voilà la barre de vie avec les roses. Donc je vais finir cette salle-là. Enfin, si on peut parler de salle, parce qu'on est en... Je suis un peu en plein air. Et je pense que je vais arrêter là pour le premier épisode. Donc le temps que je fasse ça, j'espère que cette première, enfin ce premier épisode de Alice Retour au Pays de la Folie vous... pas forcément plu, mais au moins vous intéresse pour voir la suite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire part de vos remarques. Vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être intéressé et de voir les nouvelles vidéos, les nouveaux épisodes dès qu'ils sortent. En attendant, je vous montre un magnifique plan vide. Je vous dis à bientôt tout le monde pour la suite de ce let's play d'Alice Retour au Pays de la Folie. Et à plus tout le monde.